Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, désolé pour hier. J'ai passé une journée très très compliquée, avec beaucoup de combats. Et donc, nous bénissons Dieu pour l'occasion qu'il nous donne d'être là. Partageons la vidéo maximum, s'il vous plaît. On va parler un peu des choses extraordinaires. Bonjour, Bishop Donime, Anina Rixi Bissek, que Dieu bénisse. Francis Conan, s'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum, envoyons des cœurs et les pouces bleus. Au maximum, les cœurs et les pouces bleus. Vous savez, nous entrons dans une phase très, très sérieuse. Très sérieuse, plus sérieuse que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc, partageons cette vidéo, invitons tout le monde à être là, taguer les gens, être là. Et je voudrais juste vous parler de la différence entre la sorcellerie et le christianisme. Voilà. Entre la sorcellerie et le christianisme. On va parler un peu des choses sérieuses. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, on dit, ah, il a trempé, 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 il a trempé. On va revenir un peu sur ça. Donc, on va parler des choses très sérieuses, s'il vous plaît. Et je voudrais prier pour toi ce matin, que le Seigneur te bénisse. Et chez nous, c'est le mois de l'onction supérieure. Ça veut dire où Dieu te donne une onction de supériorité partout où tu iras. Il dit, je te donnerai la supériorité sur tous tes ennemis. Donc, si tu attends la supériorité dans ton lieu de travail et tout, c'est des choses spirituelles. Ça se passe comme ça. Dieu te bénira. Il t'accordera cela dans tous les domaines de ta vie. Partout où le diable veut te troubler, le Seigneur t'accordera la tranquillité. Au nom souverain de Jésus-Christ. Gourmet tawa inasklavo baruasman inakleta udalefa inarabana utolas ne ikafilas mera ina adresto boridias manchar taudali gromi infrozeika. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nul n'est comme toi, personne n'est comparable à toi. Je veux te bénir tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Merci pour mes frères, mes soeurs qui se connectent. Seigneur, bénis chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, connectons-nous massivement. Et je voudrais profiter pendant que nos bien-aimés sont en train d'arriver. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Pendant que tout le monde est en train de se connecter encore là, nous avons un grand culte à Berthois. Ce dimanche, je voudrais rassurer la ville de Berthois que je serai là personnellement. Ce dimanche, à partir de 7h30 à Mokolo 1, ancienne SCT. Nous serons là, par la grâce de Dieu, pour. Hein? Le volume est bas. Le volume est bas, Daddy. S'il vous plaît, confirmez-moi ça. Hein? Le volume, il est comment? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que le son est bon? Voilà, bonjour à Fanka, mes épouses et Toga. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bonjour à Francis Conan. Je ne vois pas les cœurs. S'il vous plaît, je veux les cœurs. Je veux les cœurs. Hein? Je veux partager les secrets de ma sorcellerie avec vous. Je veux partager les secrets de ma sorcellerie avec vous. Donc, si tu ne veux pas la sorcellerie, pardon, déconnecte-toi immédiatement. Parce que je veux partager les secrets de ma sorcellerie ce matin. Donc, si toi, tu n'aimes pas la sorcellerie, il faut passer. Si vous savez que ce n'est pas tout le monde qui aime la sorcellerie. Donc, quand on parle des choses de la sorcellerie, là, il ne faut pas nous déranger. Voilà. Donc, je veux parler de la sorcellerie, ma sorcellerie. Ça se passe même encore où là? Voilà, le son est bon. Merci, faveur divine, c'est bien. Que Dieu vous bénisse aussi. Donc, je vais parler de ma sorcellerie ce matin. Donc, voilà, on va commencer, hein, sincèrement. Vous savez que ces choses-là, quand on parle de la sorcellerie, surtout la haute sorcellerie, parce que si moi je pratique la sorcellerie, je ne pratique pas la petite sorcellerie. C'est la haute sorcellerie. Et quand on parle de la haute sorcellerie, là, il ne faut pas perdre le temps pour entrer dedans. Voilà, vous savez, dans les Saintes Écritures, quand vous lisez la Bible, on parlera de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. On va parler de Jésus. Et je cherche à bien cadrer le téléphone ici, parce que vous savez que quand c'est de la sorcellerie, on doit bien, bien cadrer le téléphone. Ok, là, je pense que c'est bon.
C'est la position la meilleure. Voilà. Donc, bon, moi je vais commencer mes affaires. Vous savez, bien-aimé, oh Alléluia, Manotaudali Barusi, Filas Mansakrezo, Minra Italia Noika, Filos Manchar Kaudali, Folos Men Eneta, Baleka Filata Binota wa Anagolso. Donc, je parle de ma sorcellerie. Tu sais que. Et parfois dans la vie, il faut quand même, quand les gens vous aiment là, il faut leur partager aussi un peu vos secrets. Beaucoup d'hommes de Dieu sont venus me voir et m'ont demandé, mais prophète, vraiment ta sorcellerie, c'est quoi ton secret? Je sais que ta sorcellerie là, c'est comment? Je me souviens d'un homme de Dieu, d'un bien-aimé qui m'a appelé un jour et il m'a dit que vraiment, en fait, on s'est vu et puis, il était à la maison chez moi. Et puis, il avait un parfum. J'ai senti l'odeur de son parfum. Je lui ai dit, frère, ton parfum, si je veux ça. Et il m'a dit, ah non, tu sais, moi, je vais te donner, il n'y a pas de problème. D'après, je l'ai appelé encore un jour. Je lui ai demandé, le parfum, c'est comment? Tu m'as promis le parfum. Et il m'a dit, non, moi, je vais te donner. Est-ce que moi, je te cache mes secrets? C'est toi qui me caches tes secrets. Et donc, après, un jour, on a fait appel vidéo. Il était dans sa petite tour de prière. Et puis il m'a donc montré son parfum, il m'a montré les choses, les bougies et tout. Il m'a dit, tu vois, voilà, c'est les choses que j'utilise pour que le ministère. Là, il y a des hommes de Dieu qui ne savent pas que il faut utiliser certaines choses quand même pour avoir un peu d'impact et toucher les gens. Il m'a dit, pour la prophétie, voici, j'utilise telle chose. Pour l'enseignement, j'utilise telle chose et tout. Et il m'a dit, la manière dont tu prophétises et que tu vois avec clairvoyance là, toi tu utilises quoi? Il faut que tu me dises aussi ton secret. C'est quoi que tu utilises? Je voudrais aussi que tu me donnes ta part. Moi, montre-moi pas, montre-moi ta part. Et c'est là que j'ai compris que quand j'ai demandé le parfum au frère, on ne s'était pas bien compris. Ça veut dire que pour lui, parfum là, quand j'ai demandé, ça veut dire. Il m'a dit, quand tu m'as donné le parfum, j'ai compris que tu es un connaisseur. Ouais. Or, moi, je pensais que c'est peut-être un Yves Saint-Laurent. Qu'il utilisait, ou bien je ne sais pas trop, toute autre marque de parfum. Et c'est là, ce jour, que j'ai compris qu'en fait, il me disait que toi, tu utilises quoi pour prophétiser? Et c'est là que j'ai compris que on ne s'était pas compris, on ne se saisissait pas. Donc, vous voyez que beaucoup de gens sont troublés. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus me voir lorsque, en plein Covid, on a engagé la construction d'une église qui nous a coûté des centaines de millions de francs CFA. Et puis il y a un groupe d'hommes de Dieu qui est venu. Et quand ils sont arrivés, ils m'ont amené à côté. Ils ont demandé à tous les enfants de partir. Et puis ils m'ont demandé vraiment, prophète, tu sais, nous, on est des hommes de Dieu comme toi. Comment en plein Covid-19, tu peux construire une église comme ça? Et c'est toujours le même ministère que nous faisons ensemble là. Et ils m'ont dit vraiment, tu peux nous confier ton secret. Dis-nous ce que tu fais. N'aie pas peur, parce que nous, il y a même tel homme de Dieu qui était même venu nous donner son secret là. Nous, on a gardé son secret. Donc, n'aie pas peur que on va divulguer ton secret quelque part. Et ils nous ont dit que si c'est le même ministère, ils m'ont dit, si c'est le même ministère qu'on fait là, nous là, ça ne va pas. Toi, en plein Covid, tu construis une maison de Dieu, plus de 500 millions de francs CFA. Il faut nous expliquer. Vraiment, dis-nous, parce que nous, on ne pense pas que ce soit le même ministère qu'on soit en train de faire. Donc, c'est pour te dire que les gens me consultent pour que je leur donne aussi ma sorcellerie. C'est toi qui déranges. C'est toi qui ne me consultes pas. C'est toi qui es là tous les jours à suivre le direct. Tu ne demandes même pas que papa, ta sorcellerie, c'est quoi. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que je suis sorcier. Il y en a même dans les églises, des hommes de Dieu qui prêchent sur leurs hôtels, que le prophète Canaan ne le suivait pas, c'est un gros sorcier. Et ils sont convaincus, ils ont leurs convictions, vous voyez. Donc c'est très sérieux ce qu'on est en train de parler là. Allez demander à plusieurs hommes de Dieu, ils vous diront de manière convaincue que vraiment le prophète Canaan Ferdinand, c'est un sorcier. Attends, je viens, ne bouge pas. Maintenant, donc, c'est pour dire que les gens dont me demandent le secret de leur sorcellerie, c'est vous qui ne voulez pas votre part. Vous êtes seulement là, vous êtes connecté, vous ne cherchez pas aussi à profiter. Donc, de toutes les parts,
Dans des églises, les gens prêchent, les gens sont convaincus que le prophète Carl Ferdinand, c'est un sorcier, il vous apporte les preuves. C'est-à-dire que la phrase fétiche, c'est il a trempé, parce que les foules là, les foules qui le suivent là, il a trempé. Ouais. Bon, c'est vrai que je savais nager avant. Je nageais avant. Bon, quand je suis allé en Allemagne dernièrement, j'ai sauté dans la piscine pensant que j'avais toujours les mêmes réflexes. Et j'ai failli me noyer. C'est là que j'ai compris qu'on peut oublier la nage si on ne répète pas, si on ne s'entraîne pas constamment. Voilà, donc. Mais ces gens disent que j'ai trempé. C'est vrai que je ne sais plus trop nager comme avant. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens qui pensent que tout ce que je fais est sorcier. Ça veut dire que c'est la sorcellerie. Mais quelqu'un ne peut pas, comment dire ça? Quelqu'un ne peut pas rassembler autant de personnes et puis il n'a pas trempé. C'est pas possible. Donc, il y a des gens qui croient que j'ai les gris-gris. Je me souviens que il y a un apôtre qui a dit à un prophète qui est venu me voir à la maison chez moi. Le prophète m'a vu à la maison. Le prophète m'a dit que j'ai appris que tu vas au Congo. Voilà, tu vas prendre tes pouvoirs là-bas. Chez papa. Voilà, merci à c'est Sophie Glory. C'est gentil. Moi, je vous suis depuis la France. Je ne vous connais pas, mais j'aime vous suivre. Wow, ça, c'est bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et Sophie Glory, c'est très gentil. Donc, le prophète arrive chez moi, le jeune prophète arrive chez moi, il me dit vraiment, prophète, je suis très fâché. Je lui demande pourquoi tu es fâché. Il dit, j'ai causé avec l'apôtre tel, et je connais bien l'apôtre. Et l'apôtre m'a dit que tu pars au Congo, tous les mois tu pars au Congo, voir papa, c'est Motumbo, je pense que c'est de Amen TV. C'est papa Motumbo, je crois. C'est le père du réveil au Congo aujourd'hui, en RDC. Donc, il m'a dit que tu pars là-bas tous les mois et qu'aucun Camerounais ne peut arriver là-bas s'il n'est recommandé par le prophète de Carl Ferdinand. Et que c'est là que tu peux apprendre tes pouvoirs, tes puissances maléfiques. Je lui ai dit que moi, il a dit oui, j'ai dit attends, un autre de Carl Ferdinand, moi. Il a dit que toi. Hein, et l'apôtre. Et il a dit attends, j'appelle même l'apôtre. Il a appelé l'apôtre là, il a mis le haut-parleur. Et l'apôtre lui a dit que mais je t'ai dit que le prophète de Carl a ses secrets que tu ne connais pas. Il a des secrets que tu ne connais pas. Le gars, tu vois, il monte là, tu penses qu'il est content. Il ne veut pas que vous montiez avec lui. Moi, je te dis que tous les mois, il va chez son père spirituel, là-bas. Il part là-bas, il prend ses pouvoirs. Tu penses que le gars là, il disparaît souvent là, il réapparaît là. Tu crois qu'il part où? C'est là-bas qu'il va. C'est que le gars veut vous maintenir en bas et lui, il est en train de monter. Nous, on connaît le secret de sa sorcellerie. C'est vous ici, des hoquets naïfs. Nous, on est des hommes de Dieu éduqués. On connaît, on est renseignés, on est informés. Donc, faut pas déranger. Faut pas déranger. Ouais. Voilà, donc Janine Carreto dit, mais vous ne répondez pas sur WhatsApp. Vraiment, Janine Carreto, il faut me pardonner. Pitié, je vous en supplie. C'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que je suis dépassé par les événements. Il y a des milliers de messages que je dois traiter, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué pour moi, je vous en prie. Oh, excusez-moi. C'est compliqué, Karine. Donc, pardonnez. Ce n'est pas que je vous néglige. Vous savez que je ne vous néglige pas. Je vous aime au contraire beaucoup. Mais je suis un homme. Un pauvre humain. Donc, je ne peux pas. Parfois, je veux répondre aux gens, mais ça me dépasse. Il y a des milliers de messages. Donc, mais je réponds. Donc, ceux qui ont la grâce que je réponde, je réponds. Donc, il y a des gens avec qui je communique, à qui je réponds. Donc, c'est un peu ça. Désolé. Donc, voilà. Beaucoup de personnes, non, ne l'écoutaient pas, c'est un sorcier. Je me souviens d'un homme de Dieu qui un jour a dit à son église, il avait une église d'environ 50 personnes. Il leur a dit, n'écoutez jamais Doulos FM, la 91.5. C'est une radio d'un sorcier qu'on appelle Carl Ferdinand. N'écoutez jamais. C'est un sorcier. Si vous l'écoutez, ses enseignements vont vous séduire, vous amener en enfer. Vous voyez. Et là, ces brebis directement ont dit qu'on va quand même écouter ce sorcier-là. C'est quel sorcier dont on nous parle comme ça depuis des années? Et ils sont allés, ils ont capté notre chaîne radio. Et notre chaîne de télé, quand ils m'ont suivi enseigner, ils ont vu les œuvres du Saint-Esprit. La moitié de son église est venue me rencontrer. J'étais 25. Ils sont venus à 25. Ils m'ont rencontré. Ils m'ont dit vraiment, prophète Kane, notre père spirituel, nous a tellement parlé mal de vous. Il a dit, vous êtes un gros sorcier. On ne doit jamais vous écouter. Tout ce que vous faites là, c'est la sorcellerie. Vous avez trempé. Et nous vous avons écouté. Et quand nous avons écouté, on n'a jamais entendu quelqu'un enseigner autant les Saintes Écritures. Donc nous voulons servir Dieu à vos pieds. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Je leur ai dit que vraiment, allez tout simplement dire au revoir à votre père spirituel, celui qui a cherché.
Ils sont partis, ils ont rencontré leur papa spirituel. Ils lui ont dit que vraiment, on a écouté le sorcier là et nous, on veut s'engager dans sa sorcellerie parce que jamais homme n'a enseigné comme lui. Nous voulons retourner là-bas. On veut aller. Et il s'est passé, il les a maudits. Et ils sont venus. J'ai annulé les malédictions là. Je leur donne les postes de responsabilité dans l'église. Mais c'est ce que Jésus-Christ a fait avec Jean-Baptiste. Ne m'en voulez pas. Lorsque Jean-Baptiste s'est assis, il a vu Jésus en train de passer. Jésus passait. Jésus n'a rien dit. Il ne lui a même pas dit bonjour. Jésus passait avec ses apôtres, ses disciples. Et puis, Jean-Baptiste dit à ses disciples que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les disciples de Jean-Baptiste demandent que toi, tu ôtes quoi du monde? Il dit que moi, je n'ôte rien. Je n'ôte rien. Et les apôtres sont partis. Jean-Jacques, le fils de Zébédée, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Ils se sont levés. Ils ont suivi Jésus là directement. Quand ils sont arrivés, et ils ont dit à Jésus que vraiment, nous, on a laissé notre papa parce qu'il a dit que c'est toi qui ôtes le péché du monde et nous sommes venus vers toi. Puisque tu peux ôter le péché quand même dans nos vies, lui ne peut rien ôter. Donc on est venu. On va faire comment alors maintenant? Nous voulons que tu nous mettes un à ta droite, un à ta gauche. Jésus a demandé que, leur a dit, si vous demandez là, c'est très élevé, mais quand même, je vais vous joindre. Apôtre, il les a oints, apôtre. Il leur a donné le poste de responsabilité dans son ministère, ainsi que beaucoup d'autres disciples de Jean-Baptiste qui sont venus. Donc, est-ce que Jésus avait cherché le problème? Il n'avait pas cherché de problème. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, bien-aimé, la main de Dieu est souveraine. Le ministère, il faut que les gens comprennent. Lorsque les gens se battent, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je fais le ministère, ça ne fonctionne pas. Et la plupart des jeunes gens avec qui j'ai commencé le ministère aujourd'hui, j'ai dit encore la plupart, pas la toutime, mais la plupart, ils ont des problèmes dans le ministère. Et leurs problèmes sont dus à beaucoup de choses, à beaucoup de facteurs. Mais je pense que le premier facteur, c'est le caractère du cœur. Le caractère du cœur. La marche avec Dieu, c'est le cœur d'abord. C'est d'abord le cœur. Il faut que les gens comprennent cela. C'est d'abord le cœur. Voilà pourquoi Dieu dira au prophète Samuel que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pourquoi le cœur? Parce que les actes ne justifient pas toujours le cœur et le cœur ne justifie pas toujours les actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous verrez quelqu'un poser une mauvaise action, mais dans son cœur, il est justifié, il est innocent. Quelqu'un peut aussi poser une bonne action, mais dans son cœur, il est méchant. Donc ça fait que pour connaître l'homme, on ne peut pas le juger sur les actes, mais on le juge dans le cœur. Vous prenez le cas de David, vous prenez le cas du roi Saül, vous allez mieux comprendre cela. Vous comprendrez mieux cela. David a commis plus de péchés et d'erreurs que Saül. C'est ça la réalité. Mais cependant, David a été aimé de Dieu. Il a été appelé par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, parce que si vous regardez seulement aux actes, normalement, nous dirions que Saül a moins péché que David, et donc c'est Saül qui devrait être agréé par Dieu. C'est ça la réalité, c'est ça la simple vérité. Pourquoi? Parce que, en fait, David a tué tellement que, même lorsqu'il a voulu bâtir un temple à Dieu, Dieu lui a dit non, parce que tu as tellement tué les gens, tes mains sont souillées, je ne peux pas accepter un don qui vient de toi. Saül avait quand même un peu tué, mais pas comme David, dans tous les cas. On n'avait jamais entendu que Saül a pris la femme de quelqu'un. Il n'était pas dans les histoires des femmes, là. Mais David, toute sa vie, même dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de l'arbre généalogique de Jésus-Christ, la Bible dit, Biblos Genesios, Jésus-Christ, Uyo David, Uyo Abraham, Abraham de Egenesen, Isaac, Isaac de Egenesen, Jacob, Jacob de Egenesen, ton Iudakai, tu Adelphus, Autus, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Hein? Donc vous voyez que, et la Bible dira que, et Jésus-Christ, David a engendré Salomon de Tamar. Tamar, la femme d'Uri. De Tamar, la femme d'Uri. Même dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que même Matthieu, qui a écrit la généalogie de Jésus-Christ, ne reconnaît pas que Bathsheba, c'est Bathsheba. Oui, ne reconnaît pas que Bathsheba soit la femme de David. Le Nouveau Testament dit que David a eu Salomon de la femme d'Uri, pas de sa femme, de la femme d'Uri. C'est-à-dire que jusqu'à sa mort, cette relation n'a pas été reconnue comme un mariage devant Dieu. Mais cet homme est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais entre nous, mes amis, moi ça me trouble. C'est troublant. Comment alors Dieu peut abandonner Saül qui n'a jamais commis d'adultère, trompé une de ses femmes?
à David qui a pris la femme d'autrui, couché avec elle et tué son mari. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le cœur, la différence c'était le cœur. C'est ça la réponse simple. C'est-à-dire que Saül ne croyait pas en Dieu. Il n'avait aucune crainte de Dieu. Il ne connaissait même pas l'Éternel. Il ne respectait pas Dieu. Mais David, malgré ses faiblesses, était avec un cœur d'enfant. Il tombait devant Dieu. Il pleurait. Il demandait pardon. Oh, il se repentait de ses péchés. Regardez les sommes, la beauté du cœur d'un homme qui reconnaît ses péchés, ses iniquités, etc., etc., etc. Donc vous allez vérifier et voir que Dieu s'intéresse au cœur de l'homme d'abord. Les actions sont aussi importantes. Les actes sont importants, c'est vrai, parce que les actions sont la résultante de la foi, mais le plus souvent, c'est d'abord le cœur. Ouais, c'est le cœur, le genre de cœur qu'on a. Donc, ton ministère est à l'image du cœur que tu as. Si tu as un cœur méchant, c'est normal que ton ministère ne progresse pas. Maintenant, les autres qui se battent avec un cœur sincère, quelqu'un peut servir Dieu avec un cœur sincère, il a des faiblesses. Je ne parle pas du plaisir dans le péché. Je ne justifie pas le péché, en fait. Il faut que les gens comprennent cela. On ne justifie pas le péché parce que celui qui a Dieu ne pratique plus le péché. Ne pratique plus le péché. Mais je suis en train de dire que le cœur de l'homme, Dieu s'intéresse beaucoup au cœur de l'homme. Donc tu peux voir quelqu'un qui est en train de fumer encore, quelqu'un qui boit. Toi, tu ne bois plus, tu ne fumes plus. Mais Dieu va se révéler à la personne. Dieu lui dit vraiment, tu es mon serviteur, je veux que tu viennes, je vais t'envoyer dans telle nation, prêcher ma parole. Ou bien Dieu peut se révéler à une prostituée qui est en train de mener une mauvaise vie, la vie de prostitution. Dieu lui parle en rêve. Dieu lui dit que j'ai une grande mission pour toi, je voudrais que tu viennes me servir. Et puis Dieu va l'attirer de là, Dieu va travailler son caractère et avec le temps, elle va se convertir, elle sera une bonne personne. Pour dire quoi? Parce que même dans sa vie de prostitution, Dieu se rend compte de l'innocence et de la pureté de son cœur. Donc quelqu'un peut mener une mauvaise vie, mais son cœur est bon devant Dieu, son cœur est innocent. Et puis Dieu voit que le cœur, si la personne, si je l'aide à changer de vie, j'aurai gagné quelqu'un de grand pour mon royaume. Donc c'est un peu comme ça. C'est pour ça que parfois on juge certaines personnes, les condamne, ah, Dieu ne peut pas juger telle personne. Et demain, 1 an, 2 ans, 3 ans après, tu vois les choses que Dieu est en train de manifester à travers la personne. Et on dit, ah non, 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 on connaît sa vie passée. Non, vous ne jugez pas les gens sur leur passé. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Et aujourd'hui ne sera pas demain. Et c'est ça la différence entre le jugement de l'homme et le jugement de Dieu. Ouais, c'est un peu ça la seule chose. Il y a des gens qui m'ont connu comme un vendeur de CD hier. Donc pour eux, ils savent que moi, si là, je ne peux pas rassembler les gens. Comment il a vendu les CD dans nos églises et il rassemble plus de gens aujourd'hui que nous. Je ne me suis jamais vanté de rassembler les gens plus que qui que ce soit parce que ce n'est même pas ça le critère du ministère. La fidélité à Dieu, c'est ça la grandeur devant Dieu. D'un grand homme de Dieu, là, ce n'est pas celui qui rassemble seulement beaucoup de gens, quoique il y a une grande récompense, parce que ça veut dire qu'il travaille. Et le salut est grand. Vous savez que quand les hommes de Dieu sont frustrés dans le ministère, ils disent, ah non, ce n'est pas la foule qui est importante, ce n'est pas la foule qui est importante. Tu passes souvent fait quoi au sommet de montagne, mon ami? Quand tu parles là, tu maigris, pourquoi? Tu refuses de manger, de boire, pourquoi? Parce que tu vas demander à Dieu que ton église puisse grandir. On ne peut pas dire qu'on peut déterminer l'authenticité de la vocation d'un homme de Dieu par la grandeur de son église seulement. Mais cependant, c'est un critère important. Parce que la Bible dit qu'à un pécheur qui se repent, il y a de la joie au ciel. Juste pour un pécheur. Donc ça veut dire que le nombre de pécheurs que je convertis dans mon ministère multiplie ma récompense au ciel. Donc, à partir de ce moment-là, on comprendra que la foule est importante pour Dieu. Parce que la Bible dit que ce que Dieu désire, c'est que tout le monde entier soit sauvé. Voyez. Donc, c'est un peu cela. La Bible dira que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qui se repentent afin que des jours de rafraîchissement leur soient donnés. Voilà, tous les hommes. Donc, Dieu est intéressé par la foule. Donc, quand les hommes de Dieu sont un peu frustrés, là, quelqu'un a essayé à gauche, à droite, il a cogné son front contre les murs et il commence maintenant à combattre ceux qui ont réussi, ceux qui ont eu le succès, qui convertissent des foules à Christ. Donc la jalousie là, ça n'aide pas mes amis. Il faut que vous compreniez. Si ton ministère n'avance pas, n'accuse personne, regarde ton cœur. Et si tu es bon dans ton cœur. Moi, j'ai connu des frères dans le ministère avec qui nous avons commencé au début. Vraiment, personne, un instant, personne ne peut pas, on ne peut pas servir Dieu en se vantant.
Excusez-moi, pardon, c'était une urgence, je devais résoudre un problème urgent. Donc, vous voyez, bien-aimé, alors j'ai connu, je me souviens d'un frère avec qui il a commencé le ministère avant moi. Et quelque chose va se passer, c'est que je faisais les retraites à l'époque dans son église et je voyais comment le frère était loin. Mais l'église, dimanche, ils sont cinq, ils sont sept. Un jour, je l'ai appelé. Moi, je me couchais, j'étais encore un frère, je n'avais même pas encore fait ma formation en théologie. Donc, j'étais couché derrière, je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, ça, ce n'est pas ton niveau. Ouais, c'est ça comme ça que je suis. Ça, ce n'est pas ton niveau. Et ça, Dieu me témoigne. Dès que j'ai quelque chose de bon, j'appelle tout le monde, j'appelle mes frères. Venez, voici, mes frères, je donne les espaces à la télé pour rien aux gens. Peu d'hommes de Dieu le font. Personne ne paye. Hein. Quand vous voyez mes frères passer là, ils doivent à la télévision là. En dehors du prophète Kamto. En dehors du prophète Kamto. Le reste, tout le monde là, j'ai fait gratuit. La radio. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui passent là-bas. Je ne prends pas 5 francs d'un seul homme de Dieu. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si un homme de Dieu comme moi, dans sa télévision, peut donner un espace à un autre homme de Dieu, ou bien dans sa chaîne de radio, donner son espace à un autre homme de Dieu qui a une poigne spirituelle. Mais entre nous, ça veut dire quoi? Ils ne te jalousent pas. C'est ça la réalité. Ils veulent ton succès aussi. Sinon, je dirais que non, ma radio, je ne peux pas donner l'espace à quelqu'un d'autre parce que la personne peut détourner mes brebis. Mais ce n'est pas mes brebis, mes amis. Ce n'est pas mes brebis. Donc, ce jeune homme de Dieu, je l'ai appelé, je lui ai donné l'espace à la radio chez nous. Et puis, il a réussi, l'église a grandi et tout. Il a ouvert sa radio, il ne m'a pas dit. Il ne m'a pas dit qu'il a ouvert la radio. Est-ce que vous comprenez? Il ne m'a pas dit. J'ai seulement vu ça sur Facebook, l'inauguration et tout. Et les grands, il ne m'a jamais dit quoi que ce soit. C'est mon petit frère de loin. Il ne m'a jamais rien dit. Mais et au début de mon ministère, il venait toujours me voir pour me dire que vraiment, homme de Dieu, j'ai rêvé de toi. Dieu m'a dit que tu seras grand dans cette nation. J'ai vu des milliers et des milliers de gens s'agglutiner lors de tes ministères, lors de tes cultes, de tes services. Lorsque la chose a commencé à s'accomplir, c'est le premier qui s'est mis à répandre par lui que je suis un sorcier, que je suis un mauvais type, un sale type, que ce n'est pas normal. Quelqu'un, on sait qu'il vendait des CD brusquement comme ça, c'est quelle onction brutale comme ça. Il faut être, ouais, mais il ne faut pas brutaliser les gens avec ce genre-là. Hein? Il ne faut pas faire ça. Donc, finalement, un jour, je suis allé chez lui, j'ai pris mon chauffeur, on est allé dans sa maison. Quand il m'a vu, il a sursauté. J'ai cherché sa maison. Il m'a vu, il a sursauté. Je suis arrivé et je suis entré. Quand j'entre, je m'assois. Je lui demande, frère, quel est le mal que je t'ai fait? C'est toi qui me disais que Dieu t'a dit ceci. Dieu t'a dit ceci. Et je me souviens d'une vision qu'il m'avait donnée quand on était à Mimboman. Qu'il a vu l'église remplie jusqu'à ce que les gens aillent chez les voisins. Et ça s'est accompli exactement. L'église était remplie jusqu'à ce que les gens aillent chez les voisins, dans les vérandas des voisins pour suivre les cultes. Et il m'avait donné une autre vision que Dieu te bénira tellement financièrement que la police te convoquera pour te demander quelle est la source de tes bénédictions. Et c'est arrivé. La prophétie s'est accomplie exactement comme ça. J'étais convoqué au commissariat spécial où on m'a demandé que ma richesse vienne d'où? Que tous les biens que j'ai, tout ça là, je prospère et tout ça financièrement là, ça vient d'où? C'était une prophétie. J'ai pensé à lui directement. Mais cependant, le frère, lorsque la prophétie que lui-même m'a donnée, le prophète s'est mis à me combattre. Partout là, que non, non, c'est un sorcier. Parce que le genre de grâce là, mais mes amis, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Je me souviens, lorsque mon frère, le prophète Joël Francis Tatou, devait venir au Cameroun, il m'a dit, ses équipes d'abord, m'ont dit non, mais il faut mettre les panneaux publicitaires dans toute la ville. Il faut aller à la CRTV, dans les chaînes de télé internationales, parler et de sa venue, il faut mettre les plaques partout. Lui-même m'a dit que, frère, est-ce que la communication là, est-ce que c'est pas mettre les panneaux? Je lui ai dit que je n'ai jamais fait ça. Je lui ai dit que je n'ai jamais fait ça. Et je lui ai dit que lui-même, qu'il soit patient, quand il va arriver, il verra ce qui va se passer. Et je pense que il a vu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera glorifié, élevé, il attirera à lui tous les hommes. Donc chaque ministère où un homme de Dieu glorifie Christ et l'élève, c'est Jésus qui attire les hommes.
Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles me suivent, c'est ça la réalité. Donc je ne peux pas me tuer comme les gens se tuent, on fait les banderoles partout. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je n'ai jamais fait des affiches. Je n'ai jamais fait des banderoles. Je n'ai jamais fait des flyers pour. Non. Quand j'ai un programme, d'ailleurs même mes programmes même sont très mal préparés. C'est-à-dire, je peux arriver là une semaine, je dis, OK, on a encore parlé de sport et le palais de sport est plein jusqu'à dehors. On fait même la barrière. Nous, on m'a même menacé au palais de sport qu'on ne va plus me donner le palais de sport. Si il faut que ça continue comme ça. Même lors du dernier, on a fermé. Ce n'est pas tout le monde qui est entré. On a fermé. Les gens sont restés hors de la barrière. Et nous sommes habitués à ça. Je me suis même fâché contre les gens du palais de sport. Vous n'avez pas le droit de fermer la barrière. Je ne parle pas seulement des portes du palais de sport, mais je parle de la barrière à l'entrée. C'est-à-dire, on dit aux gens, restez, on ne veut plus. On ne vous veut plus ici. Mais maintenant, est-ce qu'il faut être sorcier pour attirer les gens comme ça? Donc, ça veut dire que Jésus qui faisait le culte avec 12 000 personnes était sorcier. Donc, quelle est cette mentalité qu'on a développée en tant qu'homme de Dieu? Vraiment, ça vient d'où? Sérieusement. Moi, je ne comprends pas ça. Ça vient d'où? Est-ce que ce n'est pas l'accomplissement des Écritures? Jésus n'a-t-il pas dit que si nous avons foi en lui, nous ferons ce qu'il a fait et on fera même des choses plus grandes? Où sont ces choses plus grandes-là? On remplit le palais de sport, ça devient le problème, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, il y a une aigreur, une jalousie dans le ministère qui fait que les gens ne réussissent pas dans le ministère à cause de leur propre cœur. Donc, quand ton cœur n'est pas bon, ton ministère ne peut pas être bon. Dieu te rend selon ton cœur. Et il est écrit, tu seras fait comme tu as fait. Il faut que les gens comprennent ces principes. Dieu est juste. Dieu n'aime pas les gens méchants. La Bible dit qu'il n'y aura point de paix pour le méchant. Donc Dieu n'aime pas. Dans la vie, tous ceux qui sont jaloux ne progressent pas. Quand tu es jaloux du succès de ton frère, bien-aimé, tu n'auras jamais de succès. Il faut que les gens comprennent ça. C'est une loi spirituelle. Et moi, je suis un chercheur. Il faut que les gens comprennent cela. Pour moi, le royaume de Christ est un royaume des sciences. Il faut découvrir les sciences spirituelles. Plus tu découvres ces sciences-là, plus tu vas réussir. C'est ça ma sorcellerie en vérité. Vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les affaires d'autrui, qui vous confiera vos propres affaires? Ouais. C'est un peu comme un taximan. J'ai dit que quand vous regardez un taximan, il entre dans les trous, dans les cassis, avec la voiture sans freiner. Mais entre nous, c'est le signe que ce n'est pas sa voiture. Parce que si c'était sa voiture, le propriétaire de la voiture peut avoir le trou, il fonce dedans. Parce qu'il connaît ce qu'il va dépenser pour aller réparer la voiture. Mais le méchant chauffeur dira quoi? Il va dire, ah non, ça se gâte, mais ça se gâte, mais il va dépenser. Et c'est aussi pour cela que tu vas mourir, taximan. Tu n'auras jamais ton taxi. C'est ça le problème. Bon, donc il faut que les gens comprennent. Si tu n'es pas fidèle dans les affaires d'autrui, tu ne gardes pas bien la chose d'autrui, parce que tu te dis, ce n'est pas ma part, je peux gâter. Dieu dit qu'on te confiera donc pas ta part. Pour que tu aies ce qui est à toi, tu dois garder ce qui est à autrui d'abord, comme si c'était ta part. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. En fait, dans l'église, ce n'est pas ça. Lorsqu'on regarde les choses, ce n'est pas ça. Lorsqu'un frère est béni, on est jaloux. L'église est devenue pire que l'enfer. On ne sait même plus entre l'enfer et l'église où il faut choisir. L'église est pleine de jalousie, de rapine, de haine, de rancune. Dès que tu as un petit succès là, on te sabote. Dès que tu te maries, on te sabote. Tu es célibataire, on te sabote. Tu te maries, on te sabote. Tu es pauvre, on te sabote. Tu es riche, on te sabote. Et je comprends maintenant pourquoi Jésus a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Sincèrement, parce que la foi qui était la responsabilité de l'Église est en train de disparaître. Les chrétiens deviennent de plus en plus méchants que les païens. L'Église est devenue de plus en plus un lieu très, très dangereux, un lieu d'insécurité élevé. Un lieu de pratique de sorcellerie au plus haut niveau. Voyez, c'est ça la réalité. Il faut que les gens comprennent cela, bien-aimés. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, maintenant, tu viens, tu dis, la Bible dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. Vous pensez que le ministère, il faut être sorcier pour réussir, pour attirer les gens. Quel marabout attire les gens que j'attire là? Quel sorcier? Montrez-moi un sorcier, un autre sorcier. Sincèrement, montrez. Comment vous ne pouvez pas reconnaître la grâce de Dieu? Reconnaître la puissance et le don de Dieu. Comment on ne peut pas reconnaître ça? Donc Jésus, pour vous, Jésus ne peut plus faire ce genre de choses aujourd'hui. Ça pose un réel problème, mes amis. Donc, le premier secret dans la vie, pas seulement pour le ministère, une femme qui est toujours jalouse de ses amis qui ont leur mari. Tu vois que ta camarade a un homme qui prend soin d'elle. Toi, comme c'est les bandits, les gigolos qui viennent derrière toi, tu te résous dans ton cœur de gâter la relation de ton ami ou bien de ta soeur.
Parce que tu jugeais qu'elle mérite quoi? Elle a fait quoi pour mériter cela? Je vais gâter ça. Donc, comme elle a fait pour moi là, et comme je suis là, nous tous, on va gâter, nous tous, on va souffrir. Il y a des femmes comme ça. Il y a des amis comme ça. Dès qu'elle te voit, tu es un peu heureuse là, dans ton mariage, immédiatement, ou bien dans la relation, elle fait tout pour que tu n'arrives pas au mariage. C'est sérieux, mes amis. Des gens comme cela, une femme comme cela, tu ne vas jamais te marier. Tu ne te marieras jamais. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu ne soutient pas la méchanceté. Où est l'amour de Christ? On dit qu'on est enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas aimer ton frère. La Bible dit, je pense l'apôtre Pierre aux gens qui a dit que si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Tu vas aimer Dieu comment? Tu dis que j'ai trempé. La Bible dit, tu porteras pour le faux témoignage contre ton prochain. On te demande qu'il a trempé où? Va montrer dans le marigot là, ou le fleuve là. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas aller montrer quoi? Tu vas montrer quoi? Tu ne seras pas capable. C'est ça la vérité. Tu ne seras pas capable d'aller dire, OK, voilà où il a trempé. Parce que toi-même, tu sais que tu mens. J'ai souvent raconté cette histoire où je suis allé, j'ai présenté mon émission chez le prophète Jim Dokamdem, qui est une figure emblématique de l'évangile dans notre nation. Là, ça, c'est les gens qui sont déjà entrés dans l'histoire. Tu veux ou tu ne veux pas. C'est un nom qui ne sera plus jamais effacé. Donc, ce qui, vraiment, les guerres entre nous, les hommes de Dieu au Cameroun, c'est qu'il faut que Dieu nous aide. Dieu doit avoir pitié de nous. Hein. Dieu pitié de nous. Dieu pitié de nous. Parfois, tu vas voir un homme de Dieu qui se lève, il parle contre le docteur Jim Dokamdem. Tu regardes quelqu'un qui n'est même pas né, qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Tu n'as rassemblé 100 personnes, te dépasse. Tu ne peux pas entretenir 100 personnes. Tu insultes une autorité spirituelle, une gloire. Une gloire spirituelle. Il faut que les gens comprennent une chose. Hein. Pour moi, la relation spirituelle entre les hommes de Dieu est fondamentale. On ne combat pas quelqu'un que Dieu a oint. On ne combat pas quelqu'un que Dieu a choisi. Je voudrais encore saluer le général de Dieu. Le prophète Jenedokam, homme de Dieu, vraiment chapeau, je te salue. Tu es un invincible. C'est ça la vérité. Je ne suis pas hypocrite. Ce que j'ai dit là est vrai. Tu es un invincible. Vous savez que quand il a commencé, tu ne peux pas combattre quelqu'un. Chaque homme de Dieu a ses combats personnels, humains. Chaque homme de Dieu a ses combats personnels, a son humanité, ce que j'appelle les humanités. On ne juge pas les hommes de Dieu sur leur humanité. Chaque homme de Dieu, Samuel, le prophète Samuel est venu. Il a été plus que Phinéas et Ophni. Il a été un modèle, un exemple. Mais ses enfants étaient pires que Phinéas et Ophni. Ses enfants. Un homme de Dieu juste droit, le modèle, presque sans erreur. Mais ses enfants étaient des impies. Vous voyez? Lorsque vous ne comprenez pas encore quelque chose, lorsque un homme de Dieu arrive à une dimension que tu ne comprends pas, il ne faut pas le juger ou le condamner. Lorsque le docteur Jim Dokamdem a commencé chez Cameroun, lorsqu'il a commencé, que le général de Dieu, je vais même parler de mes enfants qui ne croient pas en lui, c'est votre problème. Vous commettez une grave erreur. Non, l'Église, ce n'est pas un parti politique. L'Église, mon ami, c'est pas toi qui juge que tel me plaît, donc il est authentique. Non, tel-là ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord avec ses méthodes. Mon ami, ce n'est pas à nous d'approuver les hommes de Dieu. L'approbation des hommes de Dieu vient de Dieu qui les a appelés. Je me souviens quand le docteur Jindo Kamdem commençait au Cameroun, il a sorti le général de Dieu, le général Kamdem. Dieu ne dort. Il mettait les affiches partout ici au Cameroun, parce que il faut savoir qu'en beaucoup de choses, c'est lui qui a commencé. En beaucoup de choses, c'est lui qui nous a montré la voie. Ça, on ne peut pas nier ça. Les affiches qu'on voit aujourd'hui là, partout, la communication dangereuse, c'est le docteur Jim Dokamdem qui a commencé ça. Donc, pour la petite histoire, lorsque, et chaque homme le dit à son caractère, lui c'est quelqu'un qui a le sang chaud. Donc, quand tu veux discuter avec lui là, tu dois avoir même 3 mètres de distance de sécurité. Parce que sa main peut pas. Sa main peut faire un cas de tout là, tu te retrouves par terre, tu te demandes comment tu as fait pour te retrouver là-bas. C'est un peu comme les affaires avec Camille Makoso, que je suis tous les jours, les scandales. Il dit ta maman, ton papa, mon ami, ne jugez pas les hommes de Dieu. Ça va se passer comme ça.
Et demain, tu vas voir le gars au ciel, tu te demandes, mais tu demandes, je dis, hein, ça c'est pas Camille Marcosso. Là, je dis que oui, c'est lui. Tu demandes, que, bon, mais, il a fait comment pour entrer? Il a sauté le mur, la barrière, on fait ça comment? On dit que non, non, il est passé par la porte où toi-même tu es passé. Pourquoi? Parce que ce que nous ne comprenons pas souvent, c'est que les hommes de Dieu, chacun a son caractère. Faut faire attention. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit que les serviteurs doivent supporter leur maître, même ceux qui ont un caractère difficile. Un caractère difficile. Donc, on parle caractère difficile. Donc, on ne peut pas attendre tous. Même l'apôtre Paul, ce que vous ne connaissez pas, l'apôtre Paul n'était pas un homme tempérant. Hein. L'apôtre Paul, il t'insulte. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul a insulté le souverain sacrificateur. On l'a giflé. Et l'apôtre Paul va demander au soldat qui l'a giflé, que tu me gifles pourquoi? Et il dit à l'apôtre Paul que tu es malade, tu oses porter des injures contre le souverain sacrificateur de Dieu. Et l'apôtre Paul répond quoi? Je ne savais pas que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne porteras point de propos injurieux contre le chef de ton peuple. Il a demandé pardon. Paul était un homme colérique. Dans l'histoire avec Barnabas et avec Jean-Marc, le cousin de Barnabas, le fils de Marie, la maîtresse de Ruth, vous comprendrez aussi là que Paul ne donnait pas une seconde chance aux gens. Hein. Il avait le sang chaud. C'est dans la vieillesse là que Dieu l'a calmé avec l'histoire d'Apollos. Donc, lorsque le docteur Jindo Kandam a commencé avec l'histoire du général de Dieu, nous tous là, on a dit que vraiment. Et il faisait ses affiches avec les tenues militaires. Il met ça partout, les panneaux, partout. Tu regardes le panneau, tu dis vraiment. Le type, c'est malade dans sa tête. Hein. Général, hein. Donc le gars saute les grades. Il n'est même pas colonel ou lieutenant-colonel ou commandant. Kamdem Jenedor. Le gars s'autoproclame général. On l'a combattu. Mon ami, nous, quand on a commencé pour nous maintenant, tu vois même un petit garçon qui a même les couches encore, il met sur son premier général tel. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas manier le couteau. Vous ne pas parler des armes nucléaires spirituelles. Hein? Il est général. Maintenant là, ne m'appelle pas général, tu vas voir. Je te gifle d'abord, tu tombes à gauche et à droite en même temps, simultanément. Donc maintenant, nous on va mettre que général, c'est fini. Nous on cherche même bientôt, ça sera amiral. On va s'appeler amiral. Lui-même, c'est sûr qu'il est dépassé. Y a les généraux en désordre. Lui-même, on l'a mis côté. Il y a des généraux. Le général amiral. Donc, je suis quand tu vois le gars là, il dit que c'est pas possible. Pourquoi je ne me suis pas nommé amiral une fois? Les gars, non, mais non, partout c'est général de Dieu. Mais qui a honte qu'on l'avait combattu? Mon ami, il n'y a pas de honte dans l'affaire là. Parce qu'on a aussi compris ça. Donc il faut que les gens comprennent. Il y a les intimités de Dieu avec ses serviteurs. Mes amis, c'est dangereux. Combattre les hommes de Dieu, c'est la folie, c'est bête. C'est mieux de se taire quand tu ne comprends pas quelque chose. Donc on n'a pas besoin d'aller tremper dans la sorcellerie pour avoir les gens. Parce qu'il n'y a personne qui fasse ce que je fais là. Aucun sorcier ne peut le faire. C'est la main de Dieu, c'est le don de Dieu pour ma vie. C'est une alliance. Je vais revenir sur ça peut-être demain. Donc, mes chers amis, c'est trop facile de dire il a trempé. Parce que toi, tu vois que tu es bloqué. Donc, ne cherche pas à ruiner la réputation des gens. Parce qu'on ne peut même pas, tu ne peux même rien faire. La Bible dit le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. On ne combat pas celui que Dieu a choisi. Il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. On ne combat pas celui que Dieu a choisi. Mais il faut que chacun de nous comprenne qu'il y a des gens qui te devancent dans certaines dimensions. C'est un peu comme toi, tu peux, quelqu'un en France, il te décrit comment les Champs-Élysées sont et toi, tu te fâches. Tu lui dis, non, ce n'est pas comme ça. Tu connais la France, mon ami. Toi, tu es à Ngoulmekon là-bas avec ta patate que tu manges tous les jours. Le gars te parle de la France. Moi, je suis allé en France dernièrement et je suis arrivé. J'ai demandé, montez-moi dans le Champs-Élysées.
Oui, le champ d'Élysée. J'attendais voir un champ de maïs, manioc, plantain, macabo, patate, tout ça. On me dit que non. On me montre un boulevard à la route, que c'est le champ d'Élysée. J'ai dit que où est Élysée? Et on dit non, ce sont les Champs-Élysées plutôt. Moi, je crois que c'est le champ qui appartenait à Élysée. Et je suis arrivé, je me souviens, je suis entré dans une boutique où j'ai fait du shopping. Et puis, il y avait une femme européenne là. Et elle me demande qu'il faut l'adresse, il faut donner l'adresse, mon adresse, l'adresse de ma maison pour qu'on me vante l'article. Je lui ai dit que le pays où je viens, il n'y a pas les adresses. Et elle a dit non, monsieur, mais vous plaisantez ou quoi? Elle s'est fâchée contre moi. Elle me dit, il faut donner l'adresse, monsieur. Je lui ai dit que, madame, ne cherchez pas les problèmes. Ne cherchez pas un problème. Moi, je suis un prophète. Elle dit quoi? Je dis prophète. Elle me demande que prophète, c'est quoi? Je dis, ok, madame, ça va. Je suis fatigué. Laissons le débat là. Mettons ça de côté. Revenons sur l'adresse. Elle dit, oui, vous devez mettre votre adresse. Donnez-moi votre adresse. J'ai dit, madame, je n'ai pas d'adresse. Elle dit, qu'est-ce que vous n'avez pas d'adresse? C'est même qui ça? J'ai dit, dans mon pays, il n'y a pas encore les adresses. Elle me dit, non, il faut les adresses. J'ai dit, ok, madame, c'est vous qui avez cherché. Ne vous plaignez pas après. Je vais vous donner mon adresse. Elle a dit, d'accord. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, quand vous êtes au niveau d'Omnisport, après Batalonkak, vous tournez à droite, vous arrivez à Omnisport. Vous prenez la rue de Manguier. Vous descendez vers Santa Barbara. Quand vous arrivez là-bas, vous allez trouver un endroit qu'on appelle Ngoulmékong. Elle dit, pardon? Il dit que, madame Ngoulmékong, ça vous voyez la descente de Ngoulmékong. Elle dit, Ngoul quoi? J'ai dit, Ngoulmékong. Vous montez, vous arrivez, il y a un endroit là qu'on appelle Fougérolles. Fougérolles, il y a un carrefour là, vous allez traverser. Elle dit, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, madame, vous avez demandé l'adresse. J'ai dit que nous, on n'a pas d'adresse. Vous allez que je vous donne l'adresse. Maintenant, je vous donne l'adresse comme nous, on donne chez nous. Elle dit, non, je ne veux pas. J'ai dit que non, non. C'est trop tard. Vous allez prendre d'abord l'adresse. Il n'y a pas question que non, non. Vous allez dans l'adresse, je vous donne mon adresse. Donc, quand vous êtes à Fougérolles, vous traversez là, vous arrivez à Ebogo. Il y a Ebogo 1, il y a Ebogo 2. Et puis vous allez trouver, il y a un carrefour là, Tinga Village. Mais vous n'entrez pas à gauche, madame. Vous laissez la route non goudronnée de gauche là. Les aussi c'est qui bifurque à droite en bas là sur la pente escarpée. Vous suivez le goudron tout droit. Vous voyez là où le lampadaire est cassé, où la voiture avait connu ça dernièrement. Elle a dit, monsieur, bon, ça va. Pardon, signez rapidement, si on vous donne votre article. Quand je suis sorti, je suis qu'elle demandait que celui-ci vienne d'où. Donc pourquoi? Parce que en fait, elle n'est pas dans ma dimension, elle n'est pas dans ma réalité. On a des réalités différentes en fait. Vous voyez? Donc quelqu'un peut opérer dans une dimension que tu ne connais pas. Pour elle, Ngoulmékong, c'est quoi? Elle était comme dans un rêve, comme dans une nuit cauchemardesque ou chevaleresque. Mais cependant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je lui disais était vrai, mais elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas le sens. Pourquoi? Parce qu'on était dans des réalités différentes. C'est la même chose avec la spiritualité. Lorsqu'un homme de Dieu t'a devancé dans des dimensions que tu n'as pas encore atteintes, au lieu de le condamner, fais attention. Tais-toi, garde le silence, demande à Dieu de t'amener aussi dans ces dimensions. Et c'est où Gamaliel nous a enseigné une leçon de vie. Ne craignez-vous pas qu'en combattant cet homme, ces hommes, vous soyez en train de combattre contre Dieu lui-même. Il y a des gens que nous avons combattu, croyant combattre pour Dieu, mais on combattait contre Dieu. Et c'est une prophétie que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donnée. Il dit, le temps vient et il est déjà venu, où les hommes vous feront mourir pensant rendre un culte agréable à Dieu. Donc parfois nous pensons défendre Dieu en insultant les hommes de Dieu, en les sabotant, mais fais attention. À chaque fois que tu peux dire d'une personne qu'elle a trempé, qu'elle pratique la sorcellerie et que tu n'as jamais vu cette sorcellerie, tu es sous le coup de la condamnation. La Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ça, cette parole-là te condamne déjà. Donc, bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Je prie que Dieu te donne un cœur pur. Dans cette vie, pour réussir, dans cette vie-ci-là, on a besoin d'humilité. On a besoin de vérité. On a besoin d'un cœur pur envers les frères et envers les sœurs. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, la chose qui me sauve, c'est ça. Si je ne suis pas d'accord avec une personne, je te dirais, bien-aimé, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Si je suis fâché. Et c'est là que beaucoup de personnes ne me supportent pas. Les gens ne me supportent pas pour ça. Quand je suis fâché, je parle. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. D'autres aussi, bon, comprennent que c'est important. Donc, il faut être vrai envers les frères. Sois vrai dans tout ce que tu fais.
dans ta vie sentimentale, dans ta carrière partout, et ton innocence te préservera. L'innocence est un très grand atout parmi les humains. Ça, on doit comprendre cela. Ne sois jamais méchant avec quelqu'un. Ne rends jamais le mal pour le mal. C'est la meilleure position, c'est celle où les gens te font du mal, mais toi, tu es innocent. Et Dieu te défendra dans ton innocence. On ne vainc pas les innocents. On ne détruit pas les innocents parce que Dieu est du côté de la justice. Dieu ne soutient pas les hommes. Il n'a pas d'affinité avec les hommes. Dieu soutient sa justice. Donc le côté où la justice se trouve, c'est le côté que le Seigneur choisit. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, ce dimanche, on aura un service un grand culte avec service d'onction supérieure. Donc chacun va avoir sa bouteille d'huile de faveur. Nous allons prier ensemble. Dieu se manifestera de manière puissante. À Yaoundé, ce sera à 7h30 à la Bille. Et du côté de Berthois, je serai là à 7h30 aussi. Donc chacun va avoir sa bouteille d'huile de faveur. Et l'eau ouinte sera gratuitement distribuée du côté de Berthois. Et des miracles extraordinaires, des prophéties époustouflantes. Comme la dernière fois, vous savez, je suis allé dans le village Yokadouma par l'Esprit de Dieu. Comme le dit les saintes, comme le disent les saintes écritures, et genomen en pneuma tiente koria ke emera, et kusopis homo phonen megalos salpigos. Je fus transporté par l'Esprit jusqu'au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette. Apocalypse 1, verset 10. Donc, que Dieu te bénisse, reste connecté. Toi aussi, sois connecté dimanche à partir de 7h30, et demain, nous serons toujours notre direct. On a repris avec les directs de 10h. Demain, on reviendra encore en profondeur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne d'être la tête. Et non la queue, Dieu rendra ton nom grand pendant ce mois d'octobre. Le Seigneur te donne l'onction supérieure. Il te donne la supériorité partout où tu iras. Et tu n'échoueras pas dans cette vie. Tout ce que ta main touchera se multipliera et la gloire de Dieu resplendira sur toi. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre confiance et pour votre amour et pour votre soutien. Dans la prière, ne cessez de prier pour moi. J'en ai besoin. Nos combats sont énormes. Shalom, bye.